Bonjour à tous, bienvenue sur conseilguide.com. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter le logiciel FreeMake Video Converter. Voilà, c'est un logiciel gratuit, d'accord, que vous allez trouver sur internet et qui va vous permettre de convertir vos vidéos rapidement sans aucune difficulté. Alors voilà, je vous fais ce petit tuto. Tout simplement, après l'avoir installé, vous allez avoir ici des bandes en deçà vous demandant dans quel type de format vous souhaitez convertir vos vidéos. Voilà. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de formats, Sony, Samsung, Android, etc., etc. Même en HTML5, même sur les produits Nokia, sur les BlackBerry. Et alors j'ai sauté les produits d'Apple. Vous avez en Apple donc pour les MP4, c'est ce que l'on va faire dans la démonstration. WMV donc pour les produits Windows et AVI le format le plus utilisé notamment par YouTube. Alors c'est très simple. Ce logiciel vous permet de convertir des vidéos, des sons, des DVD, des photos ou éventuellement de coller des URL sur vos vidéos. Alors on va faire très simple dedans. On va convertir une vidéo. Je vous rappelle que ce logiciel est gratuit. On clique sur vidéo. Il va ouvrir votre fichier vidéo choisi. Vous cliquez dessus, tout simplement. Alors je vais en prendre un en avis pour la démonstration. Vous cliquez sur ouvrir. Il vient l'inscrire ici. Et ensuite vous allez choisir votre format de conversion. On va prendre en MP4 ici, on va cliquer sur Apple. Mais avant toute chose, je tiens à vous signaler que vous allez pouvoir convertir plusieurs fichiers vidéo les uns derrière les autres. Donc là, j'en ai mis un seul. D'accord? Je peux aller le couper ou le modifier. Mais je peux aussi en réaliser. Alors attendez, là, c'est pour vous montrer pour le couper et le modifier. Voilà. Vous avez ici un petit utilitaire qui va vous permettre de faire un micro-montage, c'est-à-dire de couper des séquences vidéo. Donc là, ce n'est pas l'intérêt de ce tuto, mais c'est possible avec ce logiciel. Donc maintenant, je vais, comme je vous disais, pouvoir rentrer un second fichier. Alors, on va en chercher un WMV. Et voilà, il va venir s'inscrire ici. Et je vais pouvoir convertir un nombre de fichiers pratiquement illimité. Je dis pratiquement illimité, je ne l'ai pas essayé pour 50 fichiers, je l'ai essayé pour une dizaine de fichiers et ça fonctionne. Je vais venir donc convertir tous ces fichiers dans le même format avec des fichiers différents. Alors on y va. Voilà, je clique ici, je choisis donc mon format, c'est le en format MP4. Je peux ici choisir l'ensemble des formats si je veux les transformer et avoir une amélioration suivant les produits d'Apple. Et j'ai simplement à cliquer ici sur convertir et la conversion se fait automatiquement et va se loger dans le lieu de mon choix au sein de mon ordinateur. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que je souhaitais vous présenter un petit tuto sur FreeMake Video Converter. Donc, je vous invite à le télécharger sur Internet. C'est gratuit, il s'installe très bien. Néanmoins, faites attention lors de l'installation car vous avez plusieurs petits logiciels qui vont venir se greffer sur votre navigateur ou sur votre bureau. Donc pour cela, choisissez obligatoirement l'installation personnalisée et décochez l'installation des autres logiciels qui sont à l'intérieur. Voilà, je vous dis à très vite sur Conseil Guide et j'émets naturellement un avis favorable pour ce logiciel.